l'école professionnelle de médiation et de la négociation et le centre professionnel de médiation et de la négociation ont lancé la formation de la 6e promotion des auditeurs à Abidjan. Après 4 jours, 2 modules en présentiel sont passés en revue pour cette première phase aux 14 auditeurs de la promotion 2022. L'objectif est de former les auditeurs professionnels dans les techniques de négociation en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Marius Sissiri. Ils sont 14 auditeurs venus s'outiller de la nouvelle méthode de la médiation pour accompagner toutes les problématiques dans leurs différents secteurs. Pour cette cuvée d'auditeurs de la 6e promotion, la formation est organisée en 3 phases, dont la première en présentiel qui s'achève ce jour. Elle s'est appesantie sur la pratique de la médiation avec l'initiation et le praticien 1. 2 modules importants qui entrent dans le cadre du travail du médiateur professionnel. Il y a 7 modules, en tout, ce qui fait donc 14 jours. Mais il est évident qu'on ne vient pas 14 jours, en 14 jours on ne vient pas médiateur. Donc il y a beaucoup de travail à faire entre les sessions. Ça c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, là, parce qu'on se revoit en juin. Je reviens ici au mois de juin. Pour d'autres sessions, il y en aura 2 autres, on aura le praticien 2, le médiateur 1, APEX. L'objectif visé est de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des médiateurs professionnels bien formés et qui répondent aux attentes des populations. L'objectif de ces médiateurs qui deviendront des médiateurs professionnels, c'est de maîtriser une méthodologie résolutoire d'intervention pour les conflits. Mais en tout cas, en dehors du conflit, je dirais, nous sommes des spécialistes des relations. Donc, elles sont outillées, elles apprennent une méthode scientifique qui s'applique dans tous les secteurs d'activité, qui accompagne à la transformation de nos organisations. Les participants justifient leur présence à cette formation de la médiation professionnelle et de la négociation. Quand on veut un règlement définitif via le tribunal du travail, vous en avez pour au moins 2 ans. Or, avec la médiation professionnelle, au bout de 1 à 2 mois, le règlement du conflit est réglé. J'estime que n'est pas médiateur qui le veut, mais qui en a reçu la formation. Et je me suis inscrite pour avoir les outils nécessaires. Les prochains modules en présentiel sont prévus pour le mois de juin prochain à Abidjan et les 14 auditeurs auront au programme le praticien 2 et le médiateur 1. D'ici là, il y a tout un travail à faire et les enseignements sont dispensés en ligne sur la plateforme de travail collectif de la médiation où ils auront à interagir avec leurs différents collègues.